Consultant EDG, votre partenaire numéro 1 du développement. Le 21 septembre dernier s'est tenue la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la société Épargne et Développement du Gabon à l'hôtel Boulevard 6 à Akaé. Parmi les invités à cette cérémonie étaient présents les directeurs généraux de nos différents partenaires. Ensemble, célébrons notre 10e anniversaire. Épargne et Développement du Gabon est une microfinance de deuxième catégorie créée en septembre 2009. Je suis mademoiselle Bevem Ebiam Josephine Rita, communément appelée matricule 001, parce que je suis le premier employé d'EDG. J'ai commencé en tant que caissière, ensuite je suis monté chef d'agence, aujourd'hui je suis au service des engagements. EDG en chiffres, c'est 10 ans d'existence et de partenariat. Près de 30 000 clients, plus de 3 000 agents de l'État, près de 1 500 salariés du secteur privé, 500 entreprises domiciliées, plus de 2 000 commerçants et 2 600 stagiaires et apprentis de l'ONE Prodes. L'heure est donc à la célébration de la marque EDG. L'arrivée sur le marché des EDG en 2009 s'est réalisée dans un contexte difficile où le grand public ne connaissait pas vraiment le secteur de la microfinance et les populations n'avaient pas une grande confiance aux établissements de microfinance. Notre ambition était de participer au développement du secteur de la microfinance en tant qu'acteur participatif. Que pouvons-nous dire 10 ans plus tard? Dès les premiers jours, nous avons affiché l'ambition d'être un partenaire sérieux au développement des activités du génératrice de revenus et l'intégration des agents économiques exclus du système bancaire classique, tout en posant des actes qui crédibilisent le secteur et suscitent la confiance non seulement des clients, mais aussi des autorités de régulation et des acteurs administratifs et politiques. Dans cet esprit, nous avons aidé l'un des premiers établissements à être propriétaire de son siège au centre de Libreville. L'heure est également à la réflexion. Nos 10 premières années ont été une période extrêmement intense pour la direction générale, le conseil d'administration. La motivation exceptionnelle de notre personnel s'explique, à notre avis, par le sentiment et la fierté d'écrire l'une des plus belles pages de la microfinance au Gabon. EDG est aujourd'hui un acteur incontournable du secteur de la microfinance au Gabon, comme l'atteste la note de conjoncture sectorielle de décembre 2018 de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Le point d'ordre de la cérémonie. La séance s'est ainsi poursuivie par la coupure du gâteau et une séance photo de nos différents lauréats. Ce bel événement s'est clôturé par une photo de famille et des propos de remerciement du directeur général à l'endroit des distingués invités qui ont effectué le déplacement. Nous le devons à la vision des actionnaires, à la lucidité des administrateurs et à la détermination de la direction générale. Tout cela n'a été possible que grâce à l'encadrement de la direction générale de l'économie et de la politique fiscale sous le regard bienveillant du secrétariat général de la COBA que nous voulons saluer ce soir. Les missions de contrôle, les consultations, les séminaires de ces erreurs nous bonifient et nous rendent meilleurs chaque jour. Notre dette de reconnaissance à votre égard est immense. Nous exprimons également notre gratitude aux plus hautes autorités gabonaises. EDG,
votre partenaire numéro 1 du développement.